That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the Salut tout le monde, merci d'être là pour l'épisode numéro 51. Mon nom c'est Gab le Gamer, on joue à LSPDFR Québec. Merci, merci. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier. Je vous ai parlé de ce mode-là dans le live, ça s'appelle LS Noir, donc c'est vraiment des missions d'enquête. On a des meurtres qui peuvent se produire. Donc sans plus tarder, on vient d'avoir recevoir un appel à un meurtre qui a eu lieu dans le secteur de Davis. Donc on va aller voir ce qui se passe tout de suite. Attachez-vous, c'est parti. Ok, on va parker notre char, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe. All units, no further units required, an ambulance requested. Bon, donc envoyer une ambulance, on voit les personnes décédées ici. Parfait, on va aller parler au premier répondant. Qui était le premier sur les lieux de l'accident. Salut Paul, t'es encore toi? Ben oui. Dites-moi, je pense que ça tombe toujours pour moi. Je devrais demander une bribe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a deux membres des Sixers qui mangeaient le burger, puis... BANG! Il y a un char qui est passé, puis ils ont tiré dessus à grands coups de Mac 10. Il y a un autre SD qui parle au témoin là-bas. Merci Paul. Good job. Prêt pour la prime? Bon, faut que notre ami Paul a dit qu'il est en train de manger leur burger. Puis il était dehors, il sortait dehors avec leur hamburger, leur commande. Puis il y a un char qui est passé puis qui les a tirés. Ah. Bonjour madame, vous avez été témoin de la scène? Non, t'as peu. Je peux pas y parler tout de suite. Je vais regarder le corps. Donc c'est un homme de race noire avec des dreads. Il y a des bas dans ses gogoons. Donc on peut dire que c'était justifié comme crime. Et on voit des trous de balle dans la tête. Une dans le haut du corps et dans les membres, dans les extrémités. Ok, ils l'ont pas manqué. Hein? On va appeler les ambulanciers sur place. On n'est pas loin de l'hôpital en plus, donc ça devrait pas être trop long. Bonjour madame. Gab le Gamer, SD du SPVM, homicide. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une récompense pour parler? Ouais, pas te faire arrêter pour entrave. Ouais, ok, deal. J'ai vu un char se sauver avec deux personnes avant. Il portait des foulards bleus. Avez-vous réussi à prendre la plaque? Non, il allait trop vite. Avez-vous vu s'il était armé? Non, mais j'ai entendu beaucoup de feu.
C'était une mitraillette. Comment vous savez? Ben, ça a fait... OK, OK. Merci pour l'information, madame. Attention all units. Citizens reporting a suspicious vehicle in Chamberlain Hill. On va juste prendre votre déposition, madame, là. On va mettre ça sur papier, et après ça, vous allez pouvoir quitter la scène. Donc, est-ce que c'était des hommes de race noire, de race blanche, de race jaune? Non. Ce qu'il y a. OK, parfait, madame. Vous avez écrit vos informations personnelles là-dessus aussi. Votre numéro de téléphone que je puisse vous rejoindre. Parfait. Il faut y aller. Puis toi? Non, rien. Parfait. Oh, et voilà. La blast est arrivée. Donc nous autres, on va essayer de faire le tour, voir si on pourrait pas trouver des indices, quelque chose. Donc, oh! Non. C'est quoi qu'il y a de l'air pas à sa place ici? C'est sûr qu'on fouille pas loin des vidanges. Oh! Allô, toi? Bon, parfait. Donc, on a trouvé un pistolet. On va envoyer ça à l'identité judiciaire pour qu'il puisse voir s'il y a des empreintes dessus, etc. Bon, tu te quoi en arrière 7? On va faire le tour, voir si on trouverait pas quelque chose. Donc le gars s'est fait tirer, le gars a peut-être volé proche de la poubelle, quelque chose, ou... C'est peut-être ceux qui ont tiré qui ont pitché le gun pour pas se faire pogner. Regarde, dispatch, on est sur une enquête. Pas le temps de dire que ça. Bon, pas l'air d'avoir grand-chose ici. D'armes. Bon, on va en parler à l'ambulancier, aller chercher voir s'il y a un rapport de fait. Puis ça dit quoi? SD Gable Gamer homicide, c'est quoi votre diagnostic? Il n'y a eu aucune chance, il a été atteint plusieurs fois. L'autre a été amené à l'hôpital. Il est dans un état critique, mais il est stable. OK, parfait. Merci, messieurs. Bon, on va appeler le coroner. What's up, homie? Rien d'autre là que j'ai manqué. Eux autres ils étaient ici, ils doivent avoir un emballage de bouffe ou quelque chose. J'imagine qu'ils se sont pas fait tuer juste pour leur voler leur burger. Les coronaires qui arrivent. Là, l'ambulancier a dit que l'autre avait été amené à l'hôpital. Donc, on pourrait peut-être aller voir l'état de l'autre. OK, bel job les boys. Gardez le périmètre sécurisé. Et voilà, il l'amène. On va parler à lui.
Salut, comment ça va? Ben, on vient de finir de ramasser des restants de service. On a pas mal fini. Hey, vous savez quoi? Ça a besoin de rapport hier. Exactement. Merci, les gars. Bon, je pense qu'on a fini ici. Okay. On va retourner au poste, réfléchir à ça. Bon, on est en route pour retourner au poste, puis un médecin nous a appelé pour dire que le patient était réveillé puis il pouvait parler. Donc le deuxième là, qui était impliqué dans cette fusillade-là. Donc on va aller y parler. Il avait été amené à l'hôpital, lui. Donc, on va pouvoir aller y jaser ça, voir s'il a vu quelque chose. Je veux dire, il a sûrement vu quelque chose. S'est fait tirer. On va se parker ici. Puis on va aller à l'hôpital. Bon. Monte son sur le comptoir. Parfait. Bonjour docteur. Cable Gamer SPVM, vous avez pris soin de mon témoin Trey Austin, c'est une victime dans mon dossier. Oui, c'est moi, il est aux soins intensifs. Il va survivre? Pour l'instant, on ne peut pas rien promettre. Les prochaines 24 heures vont être critiques. C'est si pire que ça? C'est déjà un miracle qu'il soit encore là. Shit, ok. Avez-vous trouvé quelque chose qui pourrait intéresser la police? Fucking maricone! Ouais, on a trouvé 5 balles qui ont déjà été envoyées au poste. Parfait, merci Doc. Ben de rien. Bon, donc là, on n'a pas pu parler au patient, mais au moins le docteur nous a expliqué qu'il avait trouvé des balles. On va passer ça aussi à l'identité judiciaire. Ça peut peut-être matcher un cas similaire qu'on avait dans le passé. Donc... on va envoyer tout ça. On va espérer qu'il trouve de quoi. Bon, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ça ne dérougit pas. Là, c'est le coroner qui nous appelle pour dire qu'il a fini son rapport. On lui avait demandé de finir le rapport hier. Il ne nous a pas laissé tomber. On va aller le rejoindre au bureau du coroner. On était juste à côté en plus. Okay. On va aller le rejoindre tout de suite. On pourra nous dire exactement. On va peut-être pouvoir nous en dire plus. Juste attendre que la lumière tourne au vert. Alors, je peux-tu tourner là un moment donné, moi? Hein? Hey, buddy! Hey! What's up? Un moment donné, hein? Hey, girl! Ah! Ouais, on va se parker ici. Hey, buddy! Bon, on va aller voir ce que le coroner a à nous dire.
aller à son bureau, Monsieur Smith, Dr. Smith. Bonjour, Dr. Smith. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Du plomb, beaucoup de plomb. On a trouvé 7 balles dans la victime, mais pas d'identification. La seule chose qu'il y avait sur lui, c'est un reçu pour un Whopper puis 67 cents. Puis vous êtes sûr que c'est pas le Whopper qui l'a tué? C'est sûr que ça n'a pas aidé, mais je suis plus d'avis que les 10 trous de balles, ils sont pour quelque chose. Ok, pouvez-vous l'identifier avec ses empreintes? Ouais, ça ou les records dentaires. Parfait, j'attends votre appel. Messieurs, salut messieurs. Ouais, boss. Cab, on est dans la marde. Comment ça? La maire arrête pas de se vanter depuis son élection que la ville est safe, à quel point que la ville est safe. Puis là, on a des restants de cerveau un peu partout sur le trottoir de Davis. Il faut les trouver, puis vite. Hey, fais-toi-en pas, je suis sur le coup. Commence par vérifier ce que les SD ont trouvé pas loin du barrage. Il y a quelqu'un qui a dit avoir vu un véhicule en feu. C'est au nord de Montréal où il y a les pompes. Ça pourrait avoir un rapport. Ok, je vais checker ça. Prends ton temps, mais fais ça vite. Deux mots, qu'est-ce que se passe? Les employés ont appelé le towing. Ils sont partis avec le char. Tu me niaises? Tu sais-tu où ce qu'il a amené? Ouais, on a appelé à quelques garages. Puis il devrait être à la Puerta. J'y vais. Bon, oh, cette petite gang de caves, du monde qui se mêle pas de leurs affaires. Tu trouves un char incendié, t'appelles pas le towing, t'appelles la police. Là, faut que j'aille courir après ce towing-là pour trouver le char. Bon, on est quasiment arrivé. Bonjour monsieur! Gab le Gamer, SD aux homicides du SPVM. Vous avez remarqué un grand brûlé dans le coin des ponts? Oui, sergent. L'auto a été droppé à côté de l'autobus juste au coin. Oh, y'a autre chose! On a trouvé un gun dans la valise. Ça pourrait vous intéresser? Oui, c'est sûr. Vous avez trouvé d'autres choses? Non, non, rien d'autre. Parfait, on va prendre ça aux pièces à conviction. Merci. Salut Earl. Pat, ça va? J'ai une job pour toi. Ouais, je t'écoute. Voilà un beau Mac 10 calciné. Es-tu capable de faire quelque chose avec ça? Pour hier, ça. Ben, comme d'habitude. Parfait, je t'appelle dès que j'ai quelque chose.
Bon, donc on a laissé l'arme qu'on a trouvée dans le véhicule, on a laissé ça dans les mains de Pat, qui va pouvoir voir s'il y a des empreintes dessus, etc. Oui, allô? Ouais, Pat? Ok, parfait, je m'en viens. Bon. Pat vient de nous appeler avec des nouvelles sur le gars, le gun. Maudit malade. Donc on va aller le rejoindre tout de suite, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Le plus tôt qu'on réussit à avoir cette information, le plus tôt qu'on va pouvoir trouver les tueurs ou le tueur. Mais c'est sûr que d'après moi ils sont deux. Parce que conduire un gun puis tirer en tuant deux personnes, c'est dur à faire. Donc, d'après moi ils sont deux. Retourner voir Pat qui doit être encore en train de fumer sa cigarette dehors. Oh, pas d'escalier ici. You're so goddamn dead. That'll teach you. Salut Pat. Puis qu'est-ce que t'as pour moi? J'ai réussi à laver le gun pour trouver le numéro de série. Hey, c'est beau ça. Le propriétaire a essayé de l'effacer, mais pour moi, il y avait le bras mort. Il n'y avait pas de côté assez fort. Je t'envoie le rapport par email. Ok, good. As-tu été capable de retracer le proprio? Oui, monsieur. Son nom, c'est Juan De Carlo. T'es le meilleur, Pat. Bon, fait que Pat a réussi à laver le gun pour enlever les bouts calcinés, puis il a retracé un numéro de série. Avec ça, on était capable de trouver le nom du propriétaire du gun, donc ça vient de devenir notre suspect numéro 1. On va aller rédiger un mandat. On a assez pour pouvoir demander pour un télémandat. À l'heure qu'il est là, il n'y aura pas de juge qui va pouvoir nous signer ça, donc on va faire la demande pour un télémandat. On va aller ici au bureau, en arrière. Pour se servir de l'ordinateur. Parfait. Donc, dans notre dossier, drive-by on Davis, on a le rapport médical, le rapport du coroner, plus l'autopsie, qui a trouvé plusieurs balles, puis des trous de balles, puis tout ce qu'on avait avec. Les preuves, ben on a un pistolet. Donc, on va l'analyser. Donc le pistolet, lui, il nous avait rien donné. Ben, on n'avait pas fait de recherche. C'est vraiment le MAC-10 qu'on a trouvé dans la valise du char calciné qui nous en donne, qui nous donnait toute l'information qu'on avait besoin. Comme ça. Non, rien d'autre. Parfait. Fait que on va demander un mandat. Donc, mandat d'arrestation pour Juan De Carlo, recherché en lien avec le meurtre de Daniel Williams et tentative de meurtre sur Trey Austin. On fait la demande. On a une collection Internet 56K, c'est pour ça que c'est long de même. On envoie ça à Sonia du DPCP. Parfait. Donc, la demande est envoyée. On ferme ça. Puis on va attendre d'avoir la réponse. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason. Can't find hope to believe in. Yeah.
Bon, on va aller voir si c'est rentré. C'est bon. Document. Oui, ce cas-là. Document, mandat. Accepté. Bon, parfait. Fait que le mandat est accepté. On peut aller arrêter Juan de Carlo à 2h31 du matin. Bon, notre point de rencontre est juste ici là. Avec les autres. All units. Bonjour messieurs, quand est-ce que vous voulez faire ça? Il est 2h du matin. Moi je dis qu'on devrait faire ça. Écoutez, on devrait attendre au matin. Donc, à la première lumière demain matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ok. Bon, fait qu'on se revoit à 6h. À la fin de sieste. Bon, parfait, tout le monde est là. Ok, good, let's go, on y va. Officer. T'as-tu bu? Y a du gin dans ton café? Mon asti. Ok, les mains désertes, c'est fini, Juan de Carlo, les mains désertes, à terre, à terre, à terre, à terre. Get in there! Cover me! You inbred crow! Good job les boys, merci pour le coup de main. Tu vas me le ramener au poste? Parfait. Donc on va s'en voir tantôt, monsieur de Carlo.